أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم chers internautes, chères auditrices, chers auditeurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous retrouvons dans cette troisième chronique autour de la vie des compagnons du prophète alayhi salam pour relater celle d'Ibn Abdullah ibn Mas'ud. Alors qui était ce grand homme, ce grand personnage, cet illustre compagnon du prophète alayhi salam? On raconte qu'un jour, Abdullah ibn Mas'ud était en train de s'occuper de ses brebis, et puis deux inconnus s'approchent et lui demandent du lait afin d'étancher leur soif. Ibn Mas'ud de leur répondre, de leur dire « Écoutez, ces brebis ne m'appartiennent pas, je ne fais que les garder. » Et l'un des interlocuteurs lui demande alors de lui apporter une brebis. Et puis, il se met à caresser les mamelles de cette brebis tout en invoquant Dieu, et là voilà qu'elle se met miraculeusement a donné du lait en abondance. Abdullah ibn Mas'ud est complètement surpris, c'est-à-dire qu'il est devant un miracle. Et l'interlocuteur, aussitôt, après avoir étanché sa soif et la soif de son compagnon, il demande à la brebis de retrouver sa forme initiale. Et avant de partir, l'interlocuteur dit à Abdullah ibn Mas'ud, tu es quelqu'un d'initié. Regardez comment le prophète alayhi était pédagogue, il avait cette intuition, cette capacité à discerner les qualités chez ses compagnons. Il avait ressenti en Abdullah ibn Mas'ud une prédisposition spirituelle à accepter le message. Et en fait, cet interlocuteur n'était autre que le prophète alayhi salam en compagnie de Abu Bakr Siddiq. Ces deux personnages qui étaient venus solliciter Abdullah ibn Mas'ud pour avoir du lait. Par la suite, ça veut dire cet événement, cette situation miraculeuse va interpeller Abdullah ibn Mas'ud. Et par la suite, il va chercher à rencontrer le prophète alayhi salam pour adhérer à son message et suivre son chemin, le chemin qui mène à la lumière. Et depuis sa conversion, il ne quittera pas le prophète alayhi salam. Il restera auprès de lui. Il deviendra son confident, à tel point où certains compagnons disaient que chaque fois qu'on rencontrait le prophète, on le voyait en compagnie d'Abdullah ibn Mas'ud, quelqu'un qui s'était attaché au prophète, qui a grandi et qui va vivre dans la demeure du messager d'Allah. Et cette proximité avec le prophète va lui procurer de la sagesse, va lui permettre d'incarner un certain nombre de valeurs qui vont le distinguer de tous les autres compagnons du prophète alayhi salam. Le fait qu'il vivait auprès du prophète alayhi salam et qu'il vivait dans la demeure du prophète alayhi salam, et bien il va s'imprégner non seulement de la moralité du comportement du prophète alayhi salam, à tel point que un compagnon, Hudhayfa ibn al-Yaman, disait « Jamais je n'ai vu de semblable au prophète alayhi salam dans son comportement, sa modestie, son humilité comme Abdullah ibn Mas'ud. » C'est quelqu'un qui s'était complètement imprégné du comportement du prophète alayhi salam. Mais pas seulement, aussi de la sagesse et des enseignements de son guide, du prophète, du messager d'Allah, à tel point où il va devenir l'un des plus grands érudits, des plus grands savants parmi les compagnons du prophète. Et Abu Musa al-Ash'ari dira « La tas'aluna an shay'in ma dama hadha al-hibru fikum » Ne questionnez au sujet de rien, ne vous consultez pas au sujet de la religion tant que ce compagnon, tant que cet érudit, ce savant est parmi vous. C'était quelqu'un qui avait une grande connaissance de la religion, particulièrement de la lecture et de l'interprétation du Coran. C'est un compagnon qui maîtrisait Al-Qur'an Al-Karim, le livre révélé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Omar ibn al-Khattab raconte qu'un jour, alors qu'ils étaient en réunion avec le prophète alayhi salam pour discuter des affaires de la communauté, à la tombée de la nuit, le prophète alayhi salam quitte la réunion et Omar et Abu Bakr suivent le prophète alayhi salam. Et puis arrivé devant la mosquée, ils s'arrêtent, ils entendent une personne en train de réciter le Coran et ils s'arrêtent, ils font une halte. Et puis après un instant et puis un moment d'écoute, le prophète alayhi salam se retourne auprès
auprès de se retourne vers Abu Bakr et vers Omar et leur dit: من أحب أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد. Celui qui aime, celui qui voudrait écouter, entendre le Coran comme il a été révélé, comme il a été révélé, qu'il l'entende de la bouche de Abdullah ibn Mas'ud, que l'on surnommait ibn Ummi Abd. Subhanallah, c'est quelqu'un qui avait une lecture, une psalmodie, une maîtrise des règles coraniques, une maîtrise aussi de la, des sciences de la religion, une compréhension profonde de sa religion. Ça, c'était Abdullah ibn Mas'ud. Quelqu'un, masha'Allah, qui s'était complètement imprégné des enseignements de l'islam. Mais au-delà de cette, de ses connaissances, au-delà de sa compréhension, au-delà de sa qualité d'érudit, au sein de sa communauté, Abdullah ibn Mas'ud était un homme courageux, déterminé. C'était le premier parmi les compagnons qui a proclamé l'unicité, la grandeur de Dieu à l'époque, à une heure où les musulmans vivaient et pratiquaient leur religion discrètement. Le premier, quand il s'est converti à l'islam, qu'est-ce qu'il a fait? Aussitôt, il est parti à la rencontre des Quraysh. Il est sorti dans les rues de la Mecque. Il est parti les rencontrer. Et puis, il a commencé, au lendemain de sa conversion, il a commencé à leur réciter à leur face, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surat al-Rahman, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan, al-shamsu wal-qamaru bi-husban, wal-najmu wal-shajaru yasjudan. Et jusqu'à la fin de la surat, jusqu'à ce que les compagnons les Quraysh, les négateurs, ont commencé à le rouer de coups, à l'abattre, à le persécuter physiquement. Mais ceci n'a pas amputé la détermination de Abdullah ibn Mas'ud, qui au lendemain, encore une fois, dit: je referai de même, j'agirai de même, et je continuerai à proclamer les paroles de Dieu dans les rues de la Mecque. Quelqu'un qui avait du courage, qui avait une détermination telle que le prophète avait ordonné à ses compagnons d'être fidèle à l'engagement de Abdullah ibn Mas'ud. Tamassaku bi'ahd ibn Ummi Abd. Attachez-vous, soyez fidèles à l'engagement de Abdullah ibn Mas'ud. Parce que c'était quelqu'un qui avait l'islam dans son cœur, qui avait l'amour du prophète, qui avait l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un compagnon que rien ne pouvait anéantir. Et Abdullah ibn Mas'ud, il va combattre, il va être dans les rangs de l'armée à Badr, à Uhud, à Al-Khandaq et à toutes les batailles. À toutes les batailles. C'est quelqu'un qui avait une beauté, une force intérieure extraordinaire. Et un jour, alors qu'il grimpait un arbre pour donner un bâton au prophète, les compagnons ont aperçu ses jambes qui étaient très très minces et ils se sont mis à se moquer de lui. Et le prophète, de les interpeller, de les apostropher. تضحكون من ساقي ابن مسعود لهم أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. Voilà. Vous vous moquez de la minceur des jambes d'Ibn Mas'ud. Eh bien, ces jambes vont peser au jour de la résurrection dans la balance d'Allah subhanahu wa ta'ala plus lourd que la montagne d'Uhud. Quelqu'un qui était certes maigre physiquement, mais qui avait une force, un courage, une détermination intérieure hors du commun, une détermination extraordinaire. Ça, c'était Abdullah ibn Mas'ud, un compagnon qui était promis de son vivant au paradis. Et lorsqu'il arrive au terme de sa vie, lorsqu'il était sur le point d'agoniser, à l'époque du califat de Uthman ibn Affan, radiallahu anh, il est sur son lit de mort, Uthman vient lui rendre visite. Il vient lui rendre visite et il lui dit: que crains-tu, ibn Mas'ud? Que crains-tu? De quoi te plains-tu? Il lui dit: je me plains de mes péchés. Et là, Uthman ibn Affan implore la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Et ensuite, il dit, veux-tu que je te laisse le dû que tu n'as jamais voulu prendre durant toute ta vie? Il lui dit: non, je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de cet argent. Il dit: alors dans ce cas, je vais laisser ton dû à tes propres filles. Et là, Abdullah ibn Mas'ud, il interpelle Uthman et il lui dit: tu crains la pauvreté pour mes filles? Tu crains la pauvreté pour mes filles? Uthman de lui dire: mais elles en auront, à un moment donné, elles en auront bien besoin de cet argent. Et là, il dit, Abdullah ibn Mas'ud, il répond
au calife et il lui dit, j'ai demandé à mes filles de réciter chaque soir surat al-waqi'a, la surat de l'événement, parce que j'ai entendu dire le prophète sallam, celui qui récite surat al-waqi'a chaque soir avant de dormir n'aura pas à craindre la pauvreté. Regardez la confiance qu'il avait en Dieu et aux paroles du prophète sallam. Je leur ai demandé de la lire et si le prophète me dit que cette surat les préservera de la pauvreté, alors j'ai complètement confiance. Et puis Dieu va rappeler cette âme apaisée, cette âme de Abdullah ibn Mas'ud à lui. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Ô toi âme apaisée, reviens à ton Seigneur satisfaite et agréée et entre parmi mes serviteurs au paradis. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.